pour le territoire, pour la région, c'est 65 000 apprentis en plus par rapport à 2017. C'est donc l'équivalent de la ville de Pessac qui aujourd'hui est en apprenti en plus par rapport à 2017. On voit à quel point l'essor de l'apprentissage a permis l'insertion professionnelle de beaucoup de jeunes, avec un taux d'emploi de 65% pour les jeunes issus de l'apprentissage. On voit aussi qu'il bénéficie à tous les secteurs d'activité et qu'il bénéficie à tous les territoires et à tous les niveaux de diplôme. Et c'était important pour moi de venir rencontrer aussi la diversité des métiers qui composent une entreprise comme celle-ci. C'est aussi l'occasion de venir échanger sur le tandem entre l'apprenti et son tuteur, et de voir à quel point aussi autour de la qualité de l'apprentissage on a cette relation entre l'apprenant et son tuteur. Et puis au fond, autour de cette promotion d'apprentissage, c'est l'attractivité des métiers de la voie professionnelle que je souhaite partager. L'attractivité bien sûr des métiers de l'aéronautique, mais plus globalement celle des métiers de la voie professionnelle à la veille d'une réforme de la voie professionnelle, du lycée professionnel que nous allons engager prochainement.